intervenants de l'AUDI, Mathieu et Gabriel, sont des étudiants au département. Donc ici, vous êtes dans un laboratoire, ou en fait un local d'enseignement, mais qui est un laboratoire, c'est de multimédia qu'on utilise pour faire, pour utiliser différentes technologies. Donc moi, j'utilise l'équipement de réalité virtuelle. Donc, vous avez ici des caméras, qui sont des caméras de capture de mouvement, avec des lumières comme ça, les caméras viennent capter la position des lumières, puis avec ça, on peut aller chercher la position en 3D dans l'espace. Et puis, on utilise cet équipement-là pour faire, ben moi, dans le cadre de mes projets de recherche, je l'utilise pour faire des environnements d'entraînement, donc pour la réadaptation, les personnes qui ont des difficultés motrices, et aussi avec les athlètes professionnels, donc pour développer des environnements d'entraînement plus riches pour améliorer leur performance. Et puis, on l'utilise dans le cadre des cours, dont un cours de réalité virtuelle au bac, que Mathieu et Gabriel ont pris et vont vous présenter leur projet. Donc, vous avez à créer un petit environnement virtuel, donc un environnement 3D, dans lequel on peut naviguer et qu'on voit à travers un casque comme celui-ci, avec un fil dessus, qui est un casque Oculus. Donc, c'est un casque 3D qui permet là, de suivre le mouvement de la tête. Donc, je vais tout de suite peut-être laisser Mathieu et Gabriel vous montrer leur projet s'il y en a qui veulent son cobaye, qui veulent l'essayer. Ça va pas mal au cœur. Il faut juste mettre le casque puis se promener. C'est semi-commercialisé pour l'instant. Tu peux l'acheter. Oui, c'est ça. On peut l'acheter pour le développeur. C'est OK. Le casque, on l'utilise. On a notre casque ici. Donc, si vous voulez essayer le casque, en attendant, ceux qui n'ont pas la chance de faire la démo, vous pouvez essayer le casque. Ça, c'est le casque. Tu regardes le verre, c'est un vieux jeu. Il est au-dessus du sang. Oh, il y a un petit statut. Tu regardes la gauche. Ça peut être un peu. C'est un vieux jeu. C'est un vieux jeu. Je sais pas si c'est quoi. Il y a des bains solides assez rares. C'est assez limité comme réglage que tu peux faire avec. Donc, tu peux circuler sur le jeu. Tu peux aller dans toutes les directions. Autrement dit, ça ressemble pas mal. C'est collé sur ta face. On n'avait pas énormément de temps pour le faire. Vu qu'on n'a justement pas énormément de temps pour la présentation, je vais essayer de le faire pour l'entrée. Un coup de balance de la création, c'est vraiment ça, c'est ceux-là même sont assez récents, mais l'avantage c'est qu'ils sont vraiment pas chers, c'est environ 3 ils sont pas chers pour les prises de réalité virtuelle, c'est environ 300$. Ouais, ils sont en développement, c'est une version plus développeur, mais c'est une version qui s'en vient comme sûrement l'année prochaine. Mais oui, c'est achetable. Il y a plein de choses.
quelque chose comme ça, on peut aller toucher des objets virtuels, sentir la forme, la texture des objets. Mais il y a déjà un casque qui tourne un peu sur la lecture pour regarder des films un peu comme les films, des films comme ça. Mais il ne pourrait pas être aussi facile que ça, c'est vraiment un peu de bien sentir la forme, sentir les contours.